Salut tout le monde! Salut tout le monde! Ah, écoutez, j'espère que vous allez bien parce que nous, franchement, on a la patate. Ouais. Là, on est hyper content Super. car on a trouvé enfin les boosters. Les boosters de soleil et lune, donc ça, c'est super cool. Bon, il commence déjà à y avoir pas mal de vidéos sur YouTube, mais bon, nous. On s'est pas précipité, on les a pris quand on pouvait. Mais parce que c'est pas notre but de faire. Voilà, on veut pas à tout prix de faire être les premiers à les ouvrir. Donc je les ai trouvés à Carrefour, donc j'ai eu du bol parce que j'ai un ami qui en avait acheté il y a pas longtemps et il a dit dépêche-toi parce qu'il va plus en rester beaucoup. Et j'y suis allé hier, donc là aujourd'hui on est jeudi 8 ou 9. 9, je crois. Et j'ai eu beaucoup de bol parce qu'il restait plus que 3 tripacks, c'était les 3 derniers. Et donc le tripack est à 16,70 et le booster simple est à 6,50. Donc franchement, je me voyais pas acheter plusieurs boosters à 6,50, je trouve que c'est exorbitant quoi. Là, 16,70 ça va, c'est correct, ça revient au booster à 5,60, 5,70 à peu près. Donc je trouve que c'est raisonnable. Donc bah écoutez, on va déballer tout ça hors caméra et puis on se dit à tout de suite. Et voilà, donc c'est bon, on a tout déballé. Audrey a enlevé tout le scotch parce qu'il était bien collant ce scotch, non? Ouais. C'était assez chiant. De toute façon, les tripacks, c'est toujours comme ça. Il y a 5 illustrations de booster? Oui. D'accord. Alors, okay. On va montrer bon, les pièces. Oui, c'est une grande nouveauté, ils n'ont jamais fait ça. Alors, les pièces, on a le Xerneacel, le Deoxys. C'est bien, ils nous ont pas refourgué les. Qu'est-ce qu'on avait avant là, qu'on avait à foison, les marissons, les grenouilles, ouais, tout ça, on en avait trop marre. Les quadrillés. Ouais, ils sont sympas, il me semble qu'on les a ceux-là, mais bon, ça change quoi, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est bon. Et alors, ensuite, on vous montre les promos des tripacks. Donc on a le Flamiaou, qui est vraiment sympa. Moi j'aime bien. Ouais. Donc c'est la SM08. Ok. Et il y a le Togé des Marous. Je crois que c'est une de mes préférées des deux là, pour l'instant, ouais. Celle-ci ? En promo. Ouais, je préfère Togé des Marous que Flamiaou. Ouais, moi aussi. Voilà. Bon, ok. Bon, allez, on va les mettre de côté, c'est pas le plus important. Ensuite, donc, alors on a trié par tripack. Donc, oui. Voilà. Le. Alors, les prénoms là. Enfin, les noms de Pokémon, il faut se souvenir. Otarlette ? Otarlette ? Il y a Otaquin, Otarlette et. Je sais plus comment c'est. Est-ce que c'est écrit derrière? Non, je vois pas. Bon, c'est pas grave, on va pas perdre de temps. Non, on le saura dans je pense que de toute façon, on l'aura dans les boosters. Alors, ensuite, nous avons Felinferno. Lui, je connais bien parce que c'est le starter que j'ai choisi dans ma version. Tu veux en montrer? Oui. Il y a Solgaleo. Tu l'as pas montré celui-là? Non. Il est beau celui-là. Voilà. Et Lunala, tu l'as montré? Non. Et Lunala. Il est beau. Franchement, ils ont fait les beaux boosters avec franchement un design là sur le haut et le bas, c'est sympa. Ouais. J'aime bien. Et là, c'est le Archéduc. Archéduc? Archéduc. Ouais, Archéduc. D'accord, ok. Bon, bah, donc celui-là, c'est le booster. Alors, du folio. C'est Oratoria. Ah, Oratoria, oui. Oratoria. Et franchement, le folio. Felinferno. Ouais, Felinferno, oui. Et le folio, il est vraiment superbe. Ouais. Franchement, j'adore. Le Solgaleo et évidemment Lunala. Ouais, franchement, il est beau. Bon, bah écoute, c'est parti. Tu commences ou je commence? Tu commences avec ton. Le tien? Ouais. Allez, c'est parti. Donc bah j'ai vu quelques ouvertures sur YouTube parce que moi je peux pas m'en empêcher, faut que je me spoil, parce que j'aime bien voir à quoi ressemblent les nouvelles séries. Mais le pire c'est qu'après il me fait « Viens, j'ai un truc à te montrer !» Puis il me spoil après. Je vais même pas demander. Les cartes à code on les garde. Et bah oui, on a regardé le scan sur... Pokécardex. Alors par contre, le... Parce que le rangement se fait plus comme ça maintenant. 1, 2, 3, 1, 2 ? Non, c'est plus ça. Mince. Mais on va faire. On regarde celui-ci, on fait un test avec le mien, bah et non. Puis après on verra. Mais c'est pas grave, vas-y. Bah non, mais sinon je les remets
comme elles étaient. Et là, du coup, on voit... Non, c'est bon, t'inquiète pas. Bon, alors, nodulite. Sympa. Bac à bout. Elle est marrante, celle-là. C'est vrai. Chenipin. Bon, nous, on s'attarde un petit peu plus sur les illustrations parce que c'est oui, la première fois qu'on les voit. Donc, mais après, comment on l'aura déjà vu. Celle-ci, elle est vraiment belle. Ah ouais, elle est chouette. Cet effet de point de fuite est pas mal. Spododo, il est trop mignon. Ah, donc là, on a... J'adore. Elle est mignonne, ouais. Donc là, on a la reverse. Ouais. Donc là, c'est les grandes nouveautés. Maintenant, ils ont changé le design. Elles sont belles. Ouais. Quand t'as le... Le gros symbole du psy. Le gros symbole du psy. Et les ouais, petits derrière. C'est vraiment sympa. Et c'est asymétrique. Ouais. Ok. C'est... Alors, donc là, c'est une peau commune. Donc, tu vois le... Ok. Le rangement, là, c'est... ça va être complètement différent. Bon. Attrape Pokémon. D'accord. D'accord. Ouais. Nosferalto. Elle est bête aussi. Ah oui, et puis t'as vu le symbole, il est de l'autre côté. Maintenant, oui, le symbole est à gauche, oui. Donc, ça représente bien le soleil et la lune. C'est cool. Il y a 149 cartes. D'accord. En plus, c'est secrète, ça va en faire un paquet. Ok. Alors. Ah, une holographique. Cool. Oui. Alors, on fait voir comment il est fait, l'effet holographisme. Il est très subtil, hein. Ouais, il est... Il est très fin, ici, là, avec la lumière. Ouais. Et là, ouais, non, t'as juste un rayon lumineux. Tu sais ce qu'on a oublié ? On a oublié le porte-bonheur. Ah ! Je vais aller chercher. Va chercher. Pendant ce temps, je vais réfléchir à comment faire le truc. Ah ! Et une énergie psy ! Nicolette ! Alors, on va remettre les cartes. Voilà. Bah oui, on se met. Il se doit d'être ici. Attends, c'est normal. Bah oui. Notre avant-première de Soleil et Lune. Faut qu'il nous porte chance. Et bah, ton premier booster, une holo, c'est cool déjà. Je te donne une pochette pour la holo. On va tâcher de garder. Je voulais regarder. On va tâcher de garder la holo pour la fin. Pour le récap. Ouais. Allez, moi je continue donc avec. On a dit quoi son nom ? Hein ? C'est quoi son nom ? Orotaria. Ah oui. Orotaria. Orotaria, merci. 4 et 2, Nico. 4 et 2 ? Ouais, 4 et 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 par-dessus. Voilà. D'accord, bon, ok. De rien. Allez, c'est parti. Tu m'as donné une. On commence avec Paras, ok. Un petit art. Ouais, donc là, c'est le petit art. La carte est moche, j'aime pas. Franchement. Ouais, c'est quoi c'est... Elle est pas terrible. Il est fait en quoi le... Je sais pas. Alors, art à quoi ? Art à quoi elle est c'est sympa. Du crochet. Ah bon ? Oui, c'est mignon. Si, moi j'aime bien. Alors, art à quoi ? Evoli. Alors, par contre, lui, j'aime pas sa tête. Parce qu'il a le nez écrasé. Il a le nez écrasé. Nounourson. Ok. Énergie métal. Ah, elle est belle. Elle est sympa, j'adore ouais. J'adore la réalité. Persian d'Alola. Okay. Donc là, ils l'ont totalement refait. Oh, il est pas beau. Hein. Ouais. Je préfère quand même le Persian. On dirait une sous-évolution de Persian. Ouais. Alors, Otarlette. Un super bonbon. Ok. Ah bah voilà, Oratoria, donc c'est une rare reverse. Elle est belle, hein. Puis franchement, ouais. L'effet reverse, c'est magnifique. Hein. C'est celui-là, peut-être j'aurais dû prendre... Et en rare... Ah, encore une holo. Une holo. Nostanfer holographique. Là, on a de la chance, nos premiers boosters chacun, une holo. Franchement, c'est cool. Hein. Elle est belle. Hein. Bon, bah c'est cool. Allez, je te laisse continuer. Ouais, moi je vais prendre Lunala. Parce que c'est ma version. Allez. Ils ont changé de couleur, ils ont de la vue. Oui, je crois qu'ils ont, ils sont différents de l'évolution. Ok.
Bon, bah, c'est sympa. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alors, Miaous d'Alola. D'accord. Ouais. J'aime bien ces effets. Ils ont vraiment mis l'accent sur la lumière et tantôt la lune. Parce que là, on voit vraiment, enfin, tu sais, les rayons lumineux. Je trouve ça beau. Art à quoi ? Donc, on a eu juste avant. Topicker d'Alola avec ses jolis petits cheveux blonds. Qu'est-ce qu'il leur a pris de leur faire ça ? Bah, tu sais, une île, il y a des surfeurs, tout ça. Des blonds, ouais. Quoi. Ah. Ouah, Vorastéri. J'aime bien. Elle est mignonne. J'aime bien. C'est marrant, il y a des Pokémon où on va plus dire elle et d'autres on va plus dire il. Crabagar. Tu l'as, celui-là, tu l'as pris dans ton équipe. J'aime pas moi. Moi, ouais, mais je l'ai pas gardé longtemps. Ah ouais. Énergie fée. Ah, pareil, j'aime beaucoup. Mais par contre, les énergies, elles font pas partie de la série. Elles ont pas de numérotation. T'as vu? Oui, c'est. Je l'ai remarqué. Je pense que c'est parce qu'il y a peu d'intérêt. Je pense que c'est pour jouer les decks, je pense. C'est pour le jeu. Ouais. J'aime bien derrière, c'est. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais tu sais, comme quand on fait. Je sais pas. Quand on met la lumière derrière la peau et qu'on voit les vaisseaux. Ah oui, non, c'est vrai. T'as vu? Oui. Vraiment, ouais. Quand on regarde, je sais pas, un nouveau-né dans le ventre, tout. Les images. Bref. Matoufeu. Ouais, sympa. Échange d'énergie. Ok. Bon, c'est une c'est bizarre d'échanger des énergies. Picléron. Ah, lui, je l'aime bien. Lui, je l'avais dans mon équipe. Moi, je l'ai aussi. Je sais plus si je l'ai enlevé parce que j'ai besoin de place. Tétart. Ouais, un peu comme une reverse. Un peu comme une reverse. Ok. Pourquoi pas. Et aura. Il est toujours bon. Oh, oh, oh putain. Oh la vache. Toi, je t'aime. Bon, bah, voilà. Et c'est quand même moi qui l'ai ouvert, hein. Tu vas pas tout mettre grâce à la tête de Cisaiox. Non. Ah, la vache. Bon, bah, le Clagix ou l'Art Arc-en-Ciel, ce que vous voudrez. Voilà. Bon, je pense que cette série nous aime. Pochette, tiens. Faut pas l'abîmer. Tout de suite, pochette. Faut pas l'abîmer. La phrase typique de Nico. Ah, bah, voilà. Ça... Toi, j'essaye de pas trop. Ça, c'est fait. Nous, on commence comme ça, une nouvelle série, trois boosters de Holo. Ah, toujours, toujours, bah non. De Holo, une full art arc-en-ciel secrète, voilà. Ouais. Parce qu'il me semble que ce sont des secrètes, les arc-en-ciel. On va regarder le numéro. Le numéro, c'est là. Attends, je suis là pour... Il veut pas. Si, il veut, il voulait tout à l'heure. Ah, voilà, 151 sur 59. Donc, ouais, c'est bien une secrète. Eh bah, ça magnifique. Fait... Attends, ils ont pas bien vu. Elle est belle, hein. Ah, la vache. Ah. Et est-ce que ce... Bah, on a mis la pochette, mais est-ce que au doigté, c'est comme une full art? Voilà, on va essayer... On va éviter trop de regarder, parce que... Une fois que la pochette est mise, après... Ouais, c'est comme ouais, une... Ouais. D'accord. Tiens, je laisse la double slivée. Attends, je regarde. Elle est belle. Hein. Bon, bah, les trois tripacks qui restaient, bah, j'ai bien fait de les avoir pris. Hein. Ah. Ouais. Wow. Elle est belle. Bon, allez, on va essayer d'aller assez vite quand même parce qu'on voudrait pas que la vidéo dure plus d'une demi-heure. Allez, du coup, oui, je continue d'affiler comme ça. Donc là, on a déjà une ultra dans un tripack. Waouh! Donc c'est cool. Ah oui, 4. J'avais fait un autre. C'est pas n'importe quel ultra. Ouais, non, je crois que les arc-en-ciel, c'est. Que c'est que je trouverai dans les arc-en-ciel. Les arc-en-ciel, c'est les plus durs à trouver. Alors, donc, nous avons ce Soporific, Bombidou. J'aime bien ce Pokémon. Bombidou. Makuhita, qui est vraiment dans la jungle. J'en ai chier pour en trouver un. Snubbull. Ouais, j'aime bien Snubbull. Rattata d'Alola. Ok. Alors, Énergie Plante, Lily, qui existe en full art, il me semble.
Ponchien. Ouais. Maille écrasant. Ok. Oh, sinon on a de la chance. C'est une Dracolose, donc normalement celle-ci c'est une Holo Reverse. Elle est belle. Hein. C'est cool, franchement la pioche. Et en rare, un Parasect. Donc notre première rare de la série sera Parasect. Ok. Ok, à moi. À toi. Un gros chat rouge. Fais la ferme. Oui. Je crois que la personne qui a fait l'inferno, il aime pas les chats. Pourquoi? Parce que quand même, un chat, c'est pas ça. Moi, je l'aime bien, c'est comme ça, il est pas mal. Et là, tu nous sors une deuxième arc-en-ciel. Bah là, oui, bah attends, c'est prévu, hein. C'est prévu comme ça. Bah, tu crois que je me dégonfle? Oh, il est trop mignon. Bon chiot. Oh, on dirait c'est là. C'est vrai? Mini Draco. Ah, oh, c'est bizarre, un fond... Oui, le fond de... l'équipe dragon est plus clair maintenant. Sympa. J'aime bien. Goéliz. Toujours avec les rayons lumineux. Toujours. Hein. Franchement, tu regardes sur toutes les gardes s'il y a des rayons lumineux. L'ourson. Otakam. Elle est belle la carte. Elle est vraiment belle. Sympa. Énergie combat. Ok. Et là, t'as vu, on dirait de la terre qui est craquelée. Mmh. Tétard, on l'a vu tout à l'heure. Maillet écrasant. On l'a vu tout à l'heure. On l'a vu. Ah bon? Ouais. Mat au feu. Un peu commune. Ok. Et... Tétard. Oh. Peu commune, okay. Reverse. Et... Mascadra en rare. Ok. Ok. Bah, ta première rare. Pas partout. J'aime ça, quoi. Par la suite. Ah, je suis contente que ce soit moi qui ai sorti l'Oclass Arc-en-Ciel. Tu m'étonnes. C'est vrai. L'Oclass GX Full Art Arc-en-Ciel, c'est ça? Ouais, je crois que c'est comme ça. Alors, Manglouton. Ok. Moi, j'aime pas trop ce Pokémon par contre. Flamiaou, moi et tout ça. Mais elle est belle. Rapace épique. Elle est belle. Moi, j'aime bien Rapace épique. Paras. Ponchio, qu'on a eu. L'énergie combat, qu'on a eu. Un échange. Ok. Persian d'Alola, qu'on a eu. Otarlette. Ponchien, oh, un peu comme une reverse. Il est beau. Ok. Avec des étoiles. Et en rare, Ariyama. Ariyama. Ouais, bon, par contre, l'Ariyama, non, elle est pas. Non, l'illustration est simple, non, je... Allez, on continue. Oratoria. Ah, t'as vu, je l'ai bien dit, là. Oui. Je me fais mal au doigt à chaque fois pour faire. Toc. Toc. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh, le chat, il gratte à la porte. Ça va. Alors, Araqua. Evoli, qui est très moche. Nounourson. Flamiaou. Bon, Chartor. Ah, Chartor, on n'a pas encore vu. Elle est sympa. Toujours le soleil. Okay. Et le volcan. Et l'énergie électrique. Sympa. Sympa, sympa. Ça va. Chronoball. Je n'utilise pas énormément, moi, celle-là. Géolite, Hyper Ball, Spodedo en commune reverse. Ok. Ah, j'adore la grosse feuille. Ouais, elle est belle. Avec les nervures. Et wow, ah, Gigalite holographique. Ça, les holographiques, ça y va. Et là, pareil, ils sont restés assez subtils, hein, sur l'holographisme. Juste pour les jeux de lumière, en fait. Ce qui est tout à fait logique quand on voit le nom de la série. Il reste 3 boosters alors ? Oui. Attends. Alors, donc, ce que j'ai bien compris, on a eu le class ici. Et ces 2 boosters peuvent être encore potentiels. Ouais. Bon, on verra bien. Du coup, ce sera toi qui ouvriras les 2 là. Si on continue comme ça. Ah oui. Allez, c'est parti. Tac. 1, 2, 3, 4. 2. Voilà. Allez, c'est parti. Donc. Ah bah encore mon glouton ici, non. Brindibou. Ah, ça c'est sympa.
Ok. Cosmog. Ok, donc le légendaire de Lily. Poncho. Goélise. Ah, les énergies, on ne l'a pas De encore l'eau. vu. C'est trop beau ce dégradé-là. Ouais. Scarabrut. Ok. Sbire de la Team Skull. Skull, je dis Skull. skull. Chrysacier. Coquillasse en commune reverse. Oh, on est déjà reverse. Ok. Et on va à Ah, quoi quoi, Quackquack. qui est trop Annabelle. beau. Bon, Ah, j'adore pas ce d'ultra dans ce personnage. repack, tant pis, c'est pas grave. À moi? Oui. Et du coup, je fais le chat? Bah, fais celui que tu veux. Bah, le chat, tant pis. Comme ça, je te laisse la secrète. Potentiellement, la secrète. Moi, je vais seulement ouvrir une GX. Ou... C'est déjà bien. Hein. Là, si tu sens encore une ultra dans celui-là, c'est que Allez! ce tripack il aurait été. Top. Mais si tu sors un holo. C'est déjà bien. Ouais, et on peut potentiellement avoir une ultra dans celui-là. Dans l'autre, ouais. Parce que toi, Si, tu fais parce des qu'on stats comme a. ça dans Ouais, ta deck. on a Ouais. sorti une holo dans. Ici et là. Donc. Ça peut le faire. Alors, Cosmog, Nodulite, Bacabo, Chenipan, Hermure, Énergie Psy, Scarabrut, mais pas lui, Non. si. Lui, par contre, si c'est la nuit. Ouais, ça a pénombre. Sbire de la Team Skull, Chrysacier. Super bon, un peu comme une reverse. Ouais, d'accord. Et. Oh, Waouh! Oh, il une est trop holo. mignon! Ah, c'est cool. Lampignon Holo. C'est une Ah, de mes j'adore. préférées, je trouve. Et lui, par contre, il est. Tu vois, c'est la nuit, mais il est bioluminescent. C'est cool. Ah, Il fait sa propre on peut vraiment photosynthèse, espérer il une me dit. ultra alors. Parce que là, dans ce tripack-là, on a eu une ultra et une holo. Allez. Bon. Allez, dernier booster de l'ouverture. On y croit. Oui, des holos, j'en ai eu. Bah, qu'une seule, je crois. Bah oui. Est-ce que tu peux me la passer? S'il te plaît. Je te la passe. Si, ma rappelle. alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, on y croit. Nodulite, Cosmog, Flamiaou, Oh, il Psychokwak. est trop beau, Ah, mon on l'avait trollo. pas encore vu celui-là. Psychokwak. Croquine, Oh, ah, tiens, pareil non lui. plus. L'énergie O, Attrape Pokémon, Nosferatu, on l'a eu en début de vidéo. Draco, ah, ça c'est les belles. On l'a pas eu. Ok. Ratata d'Alola. Ok. Allez. Sympa. Sympa parce que regarde, t'as vu, ils ont joué l'absence en fait. Ouais. Elle est Là pas où il n'y a mal. pas de truc, et ben. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Oh, il y a un truc. oh la vache. Ah! Ouais, ça va. Argus GX. Ok. Okay. Ma première ultra. Bon, ça aurait été Trump. Qu'il est Ouais. moche. Ah, elle est... Il est pas beau le Il est Pokémon. Mais la laid. carte est belle. Non, mais La que ce carte soit le est Pokémon ou le gars. belle. Ouais. Non, la carte est belle quand même. Sympatoche, quand Ouais. même. Bon, bah voilà, dernière carte de la série. Franchement, elle était pas mal. Ouais. Eh bien écoutez, on vous fait le récap vite fait. On a eu combien de lots? Vite fait, alors. Alors, il y a eu 1, 2, 3, 4 holos. Attends, je vais la protéger. Nostanfer, Lampignon, Kangourex et Gigalith. Bon, c'est cool, hein. Et puis, il y a eu Trump. Donc. Argus GX, donc je pense que les GX maintenant remplacent les X. Donc c'est comme si on avait une X en fait. Voilà. Et enfin, le plus beau de plus beau, du plus beau du beau, Soit... c'est Loclass GX Full Art Arc-en-Ciel Secret. secrète. Voilà. Elle est belle. Heureusement qu'ils peuvent faire pause, revenir un petit peu en arrière, pour se souvenir de ce que c'est. Bon bah c'était une bonne ouverture, c'est cool. Ouais, ça c'est trop bien. Bon, bah voilà. Bah J'étais écoutez, contente d'assister à cette ouverture. dites-nous ce que vous avez dans vos ouvertures, ce que vous avez trouvé des boosters. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Des gros bisous. On Oh, mais vous des dit à gros bientôt et bisous.
Bye bye tout le monde. Salut, salut, bye bye. Bye bye.